partant de Vatican, la liste électorale cause toujours problème. Le Fouktan d'Apatsakan est confronté à une problématique majeure depuis l'annonce faite par le gouvernement selon laquelle la liste électorale ne sera pas rouverte. D'après ce responsable du Fouktan, le nombre de citoyens enregistrés lors du dernier recensement effectué par les agents de la CENIT avant le 25 octobre dernier ne représente qu'une faible partie des citoyens désireux de faire partie de la liste mère et qui ont déjà fait parvenir une copie de leur carte d'identité nationale au bureau du Fouktan. Des milliers de personnes concernées risquent donc de ne pas figurer sur la liste additive parce qu'elles n'ont pas été recensées et d'ajouter que seules une vingtaine de personnes ont la fameuse fiche bleue en leur possession. Rappelons que la CENIT avait donné la consigne au Fouktan d'enregistrer uniquement les noms des citoyens détenteurs d'une fiche bleue ou d'une carte d'électeur dans le carnet qui leur a été envoyé.